Kéké. Kéké. Allume le l'appareil qui est au couloir là, le routeur là. Bonjour, bonjour, mettez les cœurs, partagez le direct. Je vais juste souligner un fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Mettez les cœurs. Partagez, partagez, je suis en train de partager, partagez à votre tour. Partagez. Ok. Partagez, partagez, partagez. Je vais vous éclaircir sur quelque chose, c'est très important. Partagez, partagez. Voilà. Partagez, partagez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Et je vais éclaircir quelque chose là, rapidement, pour que ceux qui ne savent pas puissent le savoir. Bon, donc, partagez. Voilà. Parce que quand on n'est pas informé, on ne peut pas savoir. Voilà. Je suis en train de faire mon partage. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont abonnés à ma page Facebook. Je vais vous informer de quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas depuis un moment. Alors, j'aimerais que si vous suivez ce direct, vous le partagez. Que vous le partagez pour que ceux qui ne le savaient pas puissent le savoir. Voilà. Que Dieu vous bénisse parce que en fait il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez cette page? Regardez bien cette page. Regardez-la très bien. Vous la voyez? Ok. Cette page que vous voyez là, c'est mon ancienne page qui a été piratée. C'est ma page. C'est ma page, mais ce n'est plus moi qui gère cette page. Suivez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez le nom qui est marqué dessus? Vous voyez le nom qui est marqué? C'est marqué Éminence Bishop Ignace Étienne Melchisedec. Regardez bien. Vous voyez? Ça, c'est mon ancienne page. Regardez bien. C'est marqué 123 000 abonnés. Sur cette page, j'avais 123 000 abonnés. Ça a diminué un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quittés là-bas. Il y a 18 000 j'aime. Vous voyez, c'est marqué là. Marqué, vous voyez ici. Alors,
Je ne suis plus la personne. Regardez ce qui se passe sur cette page. Pour que beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est plus ma page. Regardez, moi, je ne publie pas ce genre de choses. Regardez bien. Je vais défiler. Regardez. Ça, ce n'est pas moi qui fais ça. Regardez. Regardez bien. Ce n'est pas moi. C'est des publicités. C'est quelqu'un qui fait ça. Regardez. C'est quelqu'un qui fait ses business. Je vais mettre le son. Voilà. Regardez. Je ne sais pas si... Voilà. Voilà. Regardez bien. Regardez. Voilà. 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 Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Suivez bien. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. 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 Bon, cette page-là, vous savez, faites attention quand vous êtes sur Facebook. Il y a quelqu'un qui était venu une fois, qui a laissé un message sur WhatsApp. Méfiez-vous, hein. Quand vous commencez à avoir beaucoup d'abonnés sur Facebook, faites attention. J'étais à 130 000, 150 000, ça avait monté. J'avais beaucoup d'abonnés. Et puis, il y a quelqu'un qui a laissé un message. Ils étaient plusieurs, à écrire plusieurs fois même. Nous voulons faire de la publicité sur votre page, tant, tant, tant. Et puis, il y a un jour, là, j'étais pas trop en forme. J'étais fatigué, j'étais couché. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp. D'habitude, je refoule les gens. Mettez les cœurs partagés parce que il y a des gens qui ne savent pas, ils sont encore sur cette page. Or, moi, je ne suis pas l'administrateur de cette page. Cette page, il y a des gens qui vont voir des choses comme ça. Ils vont croire que c'est le Bishop Melchisedec qui est en train de faire ce genre de publicité. Ce n'est pas moi. La page, je n'ai plus la main dessus. Je n'ai plus la main sur cette page. Donc, j'ai ouvert une autre page. C'est sur cette page que vous êtes actuellement. Dans cette page, je ne peux pas rentrer dessus. La personne a enlevé tous mes administrateurs. La personne a bloqué la page et il fait sa publicité. Donc, retenez bien, si vous êtes encore sur cette page, déconnectez-vous, désabonnez-vous de là-bas et venez ici. Partagez à tout. Parce que je viens faire cette annonce parce que ça fait 3, 4, 5 fois, peut-être même plus, il y a des gens qui me disent, je suis allé sur ta page, je te cherche sur Facebook, je ne te vois plus. Bon, il y a d'autres qui disent, je ne te vois plus faire les directs comme tu faisais avant. Parce qu'ils pensent que sur cette page. Il y a d'autres aussi qui disent, je suis allé sur ta page, je vois que des publicités, des trucs, donc ce qui fait que je ne te suis plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui me suivaient, mais qui ne sont pas sur cette page où vous êtes actuellement, qui pensent toujours que cette page est ma page. Ce n'est pas ma page. Je suis venu annoncer ça pour que les gens comprennent. Ce n'est pas ma page. Alors, la personne est venue, un brouteur, un anaqueur, avec un bon message en anglais, tout ce qu'il faut. Je vais faire la publicité avec ta page. Si vous voyez ce genre de message, quelqu'un qui dit je veux faire une publicité avec votre page, vous allez ceci, bloquez la personne directement. Actuellement, même je reçois des messages encore pour ma nouvelle page qui est là. Moi, je ne discute même pas avec eux, je les bloque directement. Parce que je sais qui ils sont. Alors, pourquoi je suis tombé dans son piège? C'est que la personne ne faisait pas, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas écrit sur Messenger, il m'a écrit sur WhatsApp. Et au début, il ne m'a pas parlé de ma page. Donc, en faisant ce qu'il avait demandé, tout ce qu'il faut, apparemment, c'est comme si je lui ai donné accès à ma page sans me rendre compte que je lui ai donné accès à ma page. Vous savez, dans la vie, là, on peut savoir beaucoup de choses, puis il y a des choses qu'on peut tomber dans des petits pièges bêtes. Et dès qu'il a eu accès à ma page, parce qu'il voulait rentrer, il n'arrivait pas, et il me disait, faites ça, faites ça, faites ça. J'avais quoi? Je crois que j'avais mon... C'est pas TikTok. J'avais un truc qui était connecté à ma page. Il m'a dit de l'enlever. Il m'a envoyé un code. Je ne sais pas comment c'est passé. Quand j'ai fait ça, la personne, dès qu'il est rentré, il a bloqué, il a enlevé tous mes administrateurs. Il m'a enlevé, il a mis la main sur la page. Je ne peux plus rentrer sur la page. D'ailleurs, si cette personne m'entend, en tout cas, tu t'es beaucoup amusé à la page là. Il faut me remettre ma page maintenant. Je vais la nettoyer pour travailler. Voilà. Regardez, quand il a fait ça, un moment, je sens que ce n'est pas bon. Au moment où je vais avoir le réflexe, il avait déjà la main sur la page. Donc, j'ai appelé ma femme.
Et puis on a commencé à bloquer certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu terminer son travail. Il n'a pas pu terminer son travail. Parce que c'est encore mon email. Ce sont mes références. C'est ce qui fait que tout ce qu'il peut faire là, c'est faire ses publicités. Il fait des publicités sur la page. Mais il y a des choses parce que la page principale qui a créé cette page-là, le Facebook principal qui a créé cette page, c'est moi. C'est moi qui ai les coordonnées, c'est moi qui ai tout ce qu'il faut. Mais lui, il a accès à la page. Il est devenu comme un administrateur de la page. Donc, il ne fait que partager des publicités. Il partage des publicités, peut-être c'est dans le but commercial, ou il fait quoi? Ça, c'est lui qui voit. Bon, donc, comme aujourd'hui encore, il y a une dame qui m'a appelé et qui me dit qu'elle croyait que j'étais toujours sur cette page. Regardez, comment moi je vais passer mon temps à partager des trucs comme ça? Est-ce que je n'ai rien à faire? Franchement, vous aussi, quand vous allez sur une page comme ça, vous connaissez Atia Normal. Et puis vous voyez des publicités comme ça. Comment vous pouvez penser que c'est moi qui suis tombé tellement bas pour publier des trucs comme ça sur Facebook? Franchement, vous aussi. Posez des questions, renseignez-vous. Ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Quand moi, je connais quelqu'un comme Atia Normal, je vais sur sa page et puis je vois des trucs comme ça. La première des choses que je mets dans ma tête, sa page a été piratée. C'est tout. Donc, la personne est là, il fait des publicités, vous voyez. Il fait des publicités, regardez bien, tout ça. Je ne peux pas partager ce genre de choses, ce n'est pas moi. Regardez. Je vais essayer d'aller jusqu'en bas pour voir si on va voir une de mes publications. Parce que ça fait plus de 8 mois qu'il a cette page. Ça fait 8 mois et ça fait 8 mois que j'ai créé la nouvelle page. Regardez bien. Tout ça, ça ne peut pas être moi. On cherche un truc du Bishop dessus, on ne trouve pas. Je ne peux pas avoir une page avec tous les directs que je fais sans avoir de direct là-dessus. Vous voyez? Donc, quelqu'un va être là-bas. Il va dire, oh, le Bishop là, vraiment, on dirait qu'il prie plus Dieu. Hein? Il fait des trucs parce que ce n'est pas tout le monde qui voit ma nouvelle page. Hein? Parce que si ma nouvelle page était en restreint aussi, tout le monde ne peut pas la voir. Donc, les 130 000 abonnés que j'avais sur l'autre page sont là-bas en train de regarder des publicités inutiles. Ils ne savent pas que j'ai une autre page où je prêche. Ils ne savent pas que j'ai une autre page où j'aide les gens. Vous voyez? Voilà. C'est ce genre de truc-là. Donc, mon ancienne page sur laquelle vous me connaissiez, où il y avait encore beaucoup d'abonnés, où il y avait plus de vues, plus d'abonnés, avait été piratée. Voilà. J'ai beaucoup d'ennemis. Je préfère vous rappeler ça. Certaines personnes le savent. Alors, si vous êtes encore sur l'autre page-là, désabonnez-vous. Désabonnez-vous de cette page. Sortez de là-bas. Ce n'est pas ma page. Désabonnez-vous. Quittez là-bas. C'était ma page. Vous êtes allé vous abonner. Je vous dis que je ne suis plus sur cette page. Elle ne m'appartient plus. Désabonnez-vous. Sauf si vous avez envie de regarder des publicités de ce genre. Voilà. Si vous avez envie de regarder ce genre de choses, vous restez là-bas. Mais si vous n'avez pas envie de regarder ce genre de choses, que vous êtes abonné à ma page pour être édifié, sortez de là-bas. Il n'y a rien de moi sur cette page. Rien. Regardez. Il n'y a rien de moi. Elle porte mon nom, mais il n'y a rien de moi dessus. Regardez bien. Rien. Regardez. Rien du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose? Rien. Hein? Je vais essayer d'aller vite pour voir depuis quand. Regardez, des trucs comme ça. Hein? Il y a des trucs comme ça. Regardez-moi tout ça. Je vais essayer d'aller vite pour voir si on peut trouver une publication où je suis dessus. Regardez. Rien. Regardez bien. En plus, je vais très vite. Hein. Oui, là, ça a été signalé, mais comme ce n'est pas mon Facebook, c'est la page, une page de Facebook. Facebook dit que à partir du moment où c'est un administrateur, j'ai contacté une dame qui pouvait me faire prendre la page. Mais comme on a déjà pris mes coordonnées, on a déjà fait des trucs comme ça, elle m'a demandé les coordonnées pour entrer dans ma page. Ça m'a fait un peu un tic. J'ai pas eu le courage de lui donner. Sinon, elle pouvait me reprendre la page pour me donner. Mais comme je ne la connais pas, la dame, elle m'a demandé les coordonnées de ma page pour pouvoir faire ce qu'il faut pour me redonner ma page. J'ai pas eu le courage de lui donner mes coordonnées. J'ai préféré laisser pour m'ouvrir une autre page. Voilà.
Et cette page-là devrait être monétisée. Cette page était prête à être monétisée. Et c'est là que quelqu'un est venu chercher. Regardez, je ne peux pas m'amuser à partager des choses comme ça. Est-ce que je n'ai rien à faire, franchement? Regardez. Je vais voir ma dernière publication, si je peux la voir. Si je peux voir ma dernière publication, c'était dans quel mois même il a pris ça. Regarde-moi ça. Des piqûres, des trucs, des publicités de nourriture, des... Regarde-moi ça. Hein? Donc, mes frères, si vous avez vous voyez cette page-là, la page Éminence-là, ce n'est plus moi. Hein? Éminence. Il y a un administrateur, je ne sais pas, les gens dorment tranquilles, ils sont chez eux. J'ai prié, le Dieu m'a montré une seule chose concernant cette personne. Dans son nom, il y avait Y. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur n'a pas voulu me montrer tout. Il y avait Y dans son nom. Et le Seigneur m'a montré que la personne me connaissait très bien. Il était dans le milieu, je ne sais même pas s'il était parmi les serviteurs de Dieu, mais c'est quelqu'un qui me connaissait très bien, soit un vidéoman ou un truc, et que la personne était à Dubaï. Quand j'ai prié, j'ai reçu ça. Et je n'ai pas voulu perdre mon temps à rechercher, à faire la prière. Je me suis dit, bon, allez, j'ouvre une nouvelle page. Et puis, je le laisse parce que tout ce qu'on fait là, on paye. Donc, voilà. Ça, c'est quel mois, ça? Juin, 16 juin, regardez. Peut-être qu'en descendant, je ne sais pas jusqu'à quel mois, vous allez voir ma dernière publication de cette page. Hein? J'espère que je vais trouver. Vous allez aller jusqu'en bas. On est en juin. On est à... Voilà. Ma dernière publication. Je ne sais pas quand je vais la voir. Je descends. Hein? Regardez. Voilà. Je descends. Donc, tous ceux qui étaient sur mon ancienne page là, je vous demande de quitter là-bas. Quittez là-bas, désabonnez-vous parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne vous partage pas ce genre de publicité. Ce n'est pas moi. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors, ce soir, on va parler un peu de l'opération à long voyant. Voilà, je ne vois aucune. Je ne vois rien. Rien qui me concerne. Rien du tout. Voilà, bref, ça ne sert à rien de batailler. Je descends, je vois rien. C'est que des publicités. Voilà, c'est que des publicités. Regardez. Rien. Voilà. Et je ne suis pas l'administrateur de cette page. Donc, la personne balance des publicités. Je ne sais pas, peut-être qu'il gagne l'argent avec. Hein. Peut-être qu'il se fait de l'argent avec. Bon. Il est en train de s'aimer, il va récolter. Ça, ce n'est pas un problème. Mais... je veux que mes abonnés qui sont encore là-bas quittent. Voilà, quittez là-bas et ne croyez pas que c'est moi qui suis administrateur de cette page. 21 mars, je crois que c'était en mars. Hein. C'était en mars. Donc peut-être que bientôt on va voir. Je crois que c'était en mars. Si c'est pas en mars, c'est en avril. Non. Voilà. Voilà. Je vais profiter de ce direct-là pour parler d'un problème, un truc que j'ai vu en Côte d'Ivoire, là. Je vais parler de ça tout à l'heure, même comme j'ai un peu le temps. Ouais, ça même. On va laisser ça, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. On est dans quel mois? Février. En février, il n'y a rien. Février. Je ne vois rien. C'est qui m'appelle? Bon, allez, on va voir une situation là qui se passe en Côte d'Ivoire là. Voilà. En tout cas, mon ami, toi qui as pris la page, que Dieu te bénisse abondamment.
que mes même si je n'étais pas à 180 000 abonnés, que peut-être mes 180 000 abonnés soient une source de bénédiction pour toi. Mais moi, je demande à mes abonnés de quitter là-bas. Parce que celui qui vient me dire encore, non, je crois que j'ai vu une page, je suis plus, je ne te vois plus, ce n'est pas moi. Moi, j'ai une nouvelle page. Il y a longtemps, j'avais annoncé ça. Voilà, donc, quand vous voyez des publicités comme ça, moi, je ne suis pas là. Depuis que vous me connaissez, je ne fais pas ce genre de publicité. Donc, ce n'est pas moi, ça. Voilà, ce n'est pas moi. Quand vous voyez ça, vous savez que ce n'est pas moi. Ça, c'est tout à fait facile de le savoir. Voilà. Là, c'est pas moi, ça. OK? Voilà. Je continue. C'est pas moi. Voilà. Moi, je fais pas ça. Donc, écoutez, je vais quitter là. Je vais quitter. Ça sert à rien que je continue à fouiller dans cette page. Donc, voilà la page. Ceux qui étaient encore abonnés à cette page, désabonnez-vous. Voilà la page qui est là. Désabonnez-vous. Voilà. Désabonnez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas là-bas. Ce n'est pas moi qui fais les publicités. Je veux que vous partagiez ce direct massivement pour que tous ceux qui croient que c'est moi, ce n'est pas moi. Il y a ma photo, il y a mon nom, il y a tout ce qu'il faut. C'était ma page, mais quelqu'un l'a piratée. Et il s'est mis comme administrateur de cette page. C'est lui qui partage toutes les vidéos que vous voyez. Je n'ai pas accès. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer dans la page pour changer quoi que ce soit. Donc, j'ai fait une autre page sur laquelle vous êtes actuellement. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez aussi faire passer de gauche à droite pour que d'autres personnes puissent savoir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont encore dessus. D'autres même ne me voient plus sur Facebook. Ils pensent que je fais plus de direct. D'autres aussi pensent que c'est moi, j'ai changé. Je partage des publicités inutiles maintenant. Bon, voilà. Donc, voilà ma nouvelle page. Vous êtes dessus ici. Cette page ne m'appartient plus. Si je pouvais la supprimer, l'enlever de Facebook, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas moi qui administre la page. Voilà. Si d'autres personnes aussi peuvent aider, qu'ils aident. Mais ce qui est sûr, cette page, ce n'est plus à moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Je voulais vous éclaircir là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu concernant. Ah, dans des gens, quand ils parlent, ma voix est comme la voix de Gbagbo. Esprit de Gbagbo est rentré dans mon corps. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vu. Souvent, imiter les gens là, c'est pas bon. Hein? Quand tu imites les gens là, après, ça reste sur toi. Hein? Voilà, imiter les gens là, faites attention. Imiter les gens là. Je vais voir un truc là. Il y a un truc que j'ai vu concernant. Je sais pas si j'ai ça ici. Truc des gendarmes là. C'est où ça? Bon, j'espère que j'ai trouvé un. Hein. Voilà, j'ai trouvé. Bon, on va voir un truc ensemble là. Vous allez m'expliquer c'est quoi parce que à ce moment-là, je suis devenu défenseur des causes nobles. Je sais pas, mais je suis tombé sur cette vidéo-là. Je veux qu'on m'explique à quoi. Le titre de la vidéo s'appelle Ugent. Armée de Côte d'Ivoire, le pouvoir des forts sur les faibles. Monsieur Diasso, conseiller d'Apollo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, responsable de sécurité d'une grande entreprise ivoirienne. Pour ces titres, l'individu est devenu le cauchemar des gendarmes. Il se croit tout permis. Devenu très insolent et méprisant, vient de prendre une bonne raclée de la part d'un gendarme bien formé. Hein? Ah, Godson, faut m'aider, oh, faut m'aider. Aide-moi à régler ce problème de page-là.
Ange que c'est Kwame Amnesty International. Bon, apparemment, il y a un monsieur qui s'appelle Diasso. Et ce monsieur Diasso est conseiller d'un certain Apollo, qui est commandant supérieur de la gendarmerie. Donc, Diasso est conseiller du commandant supérieur de la gendarmerie. Mais on ne nous dit pas que Diasso est commandant supérieur de la gendarmerie. Mettez les cœurs partagés, pas il y a direct dans direct. Diasso est commandant, est conseiller du commandant supérieur de la gendarmerie. Monsieur Diasso, il est conseiller d'un certain Apollo, qui est commandant supérieur de la gendarmerie. Mais Diasso n'est pas gendarme. Diasso n'est pas commandant supérieur de la gendarmerie. Il est conseiller, il est son coach ou bien il est son conseiller. Ça, c'est entre les deux. Mais Diasso n'est pas gendarme. Mais parce que Diasso est conseiller ou ami du commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, il est aussi responsable de sécurité d'une grande entreprise. C'est-à-dire qu'il est agent de sécurité. C'est un agent de sécurité responsable d'une agent de sécurité qui est camarade ou conseiller d'Apollo, le commandant supérieur de la gendarmerie, qui s'appelle Diasso. Et parce qu'il est proche du commandant supérieur de la gendarmerie, apparemment, selon la publication ici, cette personne rackette les gendarmes. Cette personne met les gendarmes ivoiriens à l'amende. Partagez ce direct. Hein. Il m'appelle à Tia Normal. Quand je viens, des fois on pense que je suis m'asseoir pour truc, je parle d'un truc, puis fier, je fais sortir la chose. Partagez. Donc Abidjan est devenu un film de western. Abidjan est devenu un film de mafioso. C'est-à-dire que je suis camarade du président de la République, je rackette. Je suis camarade des gendarmes, je rackette. Je connais un policier, je rackette. Mon papa est ministre, ou bien j'ai telle connaissance, je peux braquer, je peux faire ce que je veux. Si je connais le ministre de l'Intérieur, je peux vendre drogue. Donc c'est ce qu'Abidjan est devenu en fin de compte. Parce que M. Diasso, il est agent de sécurité, il n'est pas gendarme. Il est responsable d'une agence de sécurité. Et il connaît Apollo. Apollo qui est le commandant supérieur de la gendarmerie, c'est son ami et c'est son conseiller. Ça c'est entre les deux, c'est leur business, on s'en fout de leur agouti qu'ils mangent. Mais en quoi est-ce que M. Diasso, qui n'est pas gendarme supérieur, rackette des gendarmes, des gendarmes qu'on doit respecter, en tenue, il les rackette. Suivez-moi cette scène. Vous avez compris? Vous emmerdez les gens. Tu veux jamais dire qui vous êtes, on va vous répondre. Mais vous emmerdez les gens. Vous emmerdez. Il faut dire mon nom, je m'appelle. Vous me la dire dans la mairie. Voyez que vous êtes imbécile. Tu n'as pas honte, tu es qui? Voilà. Comme dit Seigneur, tu veux, il t'attend. Là, jeune homme et puis jeune homme, tu as connu le mauvais pion aujourd'hui. Vous avez connu le mauvais pion. À ce que vous devez faire, à ce que vous devez escroquer les gens, ce n'est pas moi. Je suis prêt pour aller où vous voulez. Il faut te rappeler de moi encore. Même 5 francs, vous n'aurez pas de moi. Même 5 francs, je n'ai pas donné 5 francs de ma personne. 5 francs, vous n'aurez pas. Monsieur, à qui nous avons donné ce monde-là? Vous dites quoi? Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui vient parler aux gendarmes, vous dites que ça n'a pas d'importance. C'est bien ta loi, ça n'a pas qui peut venir vous parler comme ça. Pourquoi? D'accord. N'importe qui peut venir me parler comme ça. Moi, je vous dis ça. Attends, vous avez compris? N'importe qui peut moi me parler comme ça. Vous avez compris? N'importe qui peut me parler comme ça. Moi, je vous dis ça. Ça vous pouvez pas voir la gendarmerie. N'importe qui peut venir. Si vous dites là, je n'ai pas dit quelque chose, mais moi, parce que n'importe qui peut venir me parler comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Quand vous m'avez envoyé sur le terrain pour me parler comme ça, qu'on n'importe qui peut me parler comme ça. Partagez. M.
Monsieur, je vous demande à qui avons-nous affaire, s'il vous plaît. Non, oui. Moi, si là, il y a un problème, je pense qu'on peut parler. Parce que je ne sais pas. Bon, il y a. Mais dis non, il ne faut pas y aller à bosser la place. Il y a des gens qui disent non. Non, 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 non. Ça t'a pas dit de faire. Ça t'a pas dit de faire. Ça t'a pas dit de faire. Partagez, 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 mettez les cœurs, partagez, sécurisez le direct, partagez. Si nous n'avons pas dit à Galois, vous voulez appeler qui, monsieur? Partagez. Voilà ce qui se passe. Il faut qu'on voie c'est quoi. Moi, j'ai des dossiers classés, je les sors au fur et à mesure. Le vigile a trouvé que ma. Ok. Vous avez compris? Voilà, vous avez vu la scène. Ce monsieur qui est au téléphone là, c'est lui qui s'appelle Diasso. Et il est l'ami, soi-disant le conseiller, du commandant supérieur de la gendarmerie. Voilà Abidjan. Voilà comment Abidjan se passe. Donc lui maintenant, ce qu'il fait, il a une 4x4 et il se promène. Et puis il raquette des gendarmes sur la route. Ça veut dire que lui, comme il est l'ami du commandant supérieur de la gendarmerie, il se donne le pouvoir de racketter des gendarmes en tenue. Des gens qui représentent... Oh my God, ma Côte d'Ivoire, ça me fait mal au ventre. Ça veut dire qu'il y a les gendarmes sur la route. Et puis il y a un civil qui arrive avec sa 4x4. Il dit, bon, oh, je suis... Il ne dit même pas son nom. Il dit, donnez-moi temps. Il commence à les racketter. S'il était même un gendarme supérieur, même, c'était leur patron même. J'allais dire, bon, ça c'est entre eux. Mais le monsieur n'est même pas gendarme. Il n'est même pas gendarme. Seulement qu'il est lié au commandant supérieur. Et ils se promettent sur la route pour racketter les gendarmes. Et voilà un jeune gendarme qui a pété les plombs. Voilà un jeune gendarme qui lui a dit, oh, quelle que soit la personne que tu es un voleur, tu es un escroc, je te donne rien, va où tu veux. Et il prend son téléphone, il entend d'appeler, il appelle qui? Apollo. Il appelle son ami Apollo pour dire, il y a un gendarme ici, là, voilà son immatricule, je lui demande l'argent, il ne veut pas me donner, il entend m'insulter ici. Donc toi là, ce sont les gendarmes qui se lèvent pour aller travailler pour l'État. C'est eux que tu vas racketter pour aller chercher tes petites filles. C'est eux que tu vas racketter. Mettez les cœurs, parce que c'est maintenant qu'il y a parlé. C'est eux que tu vas racketter pour mettre l'essence dans ta voiture. Tu as quelle responsabilité dans le pays? Tu es gendarme? Tu es quoi? Et puis si tu étais gendarme, racketter les gens sur la route. Voilà la Côte d'Ivoire dont on parle, le pays développé. Le pays développé. Un pays qui est tellement développé que n'importe qui garde sa 4x4 pour racketter des gendarmes sur la route. Il garde sa 4x4 et il rackette des gendarmes sur la route. Et aujourd'hui là, il est tombé sur quelqu'un qui dit, oh, je ne te donne pas 5 francs. Je vais vous montrer sa photo. J'ai eu sa photo, je vais vous montrer sa photo. Il est où même? Vous allez voir comment il est habillé. Regardez-le, le voilà ici. Voilà le cow-boy qui se promène dans Abidjan pour racketter les gendarmes. Voilà Abidjan est doux, hein? Abidjan est trop sucré. Regardez, voilà son sac, il met les sous dedans. Voilà sa veste de cow-boy, son chapeau de cow-boy, sa Santiago. Abidjan, il fait chaud comme ça. Il est habillé comme s'il était en train de faire film de western. Il a tous les droits dans le pays. Et il rackette qui il veut. Il rackette les... Bon, si lui-là, il peut racketter les gendarmes, c'est qu'il peut racketter des commerçants. S'il rackette les gendarmes, ceux-mêmes qui sont gendarmes en tenue, il les rackette.
Donc il peut racketter des civils, il peut racketter n'importe qui. Il a le plein droit de faire ce qu'il veut. Parce qu'il est l'ami du commandant supérieur de la gendarmerie. Oh, la Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire est belle. Voilà la Côte d'Ivoire qui est là. La Côte d'Ivoire où n'importe qui peut tuer. Il suffit d'avoir de la connaissance, ça ne va nulle part. La Côte d'Ivoire où n'importe qui peut voler, braquer. Il suffit qu'il connaisse des gens, ça ne va nulle part. La Côte d'Ivoire où n'importe qui peut assassiner, vendre de la drogue, ça ne va nulle part s'il a des connaissances. Voilà son visage ici. Voilà son visage ici. Santiago, en tout cas, il est habillé comme un vrai cow-boy. Hein. Méfiez-vous de lui, cher gendarme. C'est un cow-boy. Hein. Regardez, Santiago, jean plaqué. Ça a lui là, depuis le nez, il a regardé le film de film où c'est Django roulé pistolet, mettait dans Froco là. Il a regardé ça qui a fatigué. De la manière, dans le western, les chefs bandits racketaient les gens sur la route là. Ils vont racketter les banques, ils vont racketter les trucs. Lui, c'est resté dans son cerveau jusqu'à, mettez le cœur, hein, qui était ici. Donc lui, il a regardé le film western jusqu'à Django, roulé pistolet, mettait dans son Froco. Donc où il est là? Hein? Où il est là? Actuellement là, il se prend pour... je ne sais pas, il y a un film western qui l'a marqué depuis son enfance. Il se prend pour Django, il se prend pour tout. Tout ce qui lui manque, c'est le cheval. Tout ce qui lui manque là, c'est le cheval. C'est-à-dire que, peut-être qu'il a peur de monter sur cheval, il ne sait même pas. Comme lui, il est un peu gros comme moi ici là. S'il monte sur cheval qui tombe, ou pas son ventre va s'éclater, tous ses intestins à elle, remplis de bière, de coutoukou vont sortir. Donc, il préfère marcher, mais avoir 4x4. Mais voilà Django. Django. Django roulé, pistolet, mettait dans son Froco. Et puis, il a acheté tous les trucs de western. Hein. Veste de Django, sac de Django, ceinture de Django, chaussures de Django, chapeau de Django, T-shirt de Django, pantalon de Django, même tu vas fouiller à caleçon de Django, peut-être qu'il y a pistolet de Django qui est collé à côté. Hé, hey, Django! Django, roulé pistolet, mettez dans son Froco. Hé, 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 Django, oh, Django, Django, Django. Hé, 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 Django, roulé pistolet, mettez dans son Froco. Hé, hey. Mais le problème, c'est que dans le Western Django, tous les Django étaient des voleurs. Ah, tiens, normal. Je dis, oh, dans les westerns, là, tous les Django étaient des voleurs. Quand tu entends dans western, on dit Django, c'est un chef bandit, c'est un voleur. Mais les Django finissent trop mal dans les films. Hein. Les Django, là, après, c'est eux, on poursuit à eux, je sais pas, on dit, mais tu poursuis qui? On dit, oh, il y a Django là-bas, on va aller. Les Django, on poursuit les Django dans les western. Les Django, là, ils meurent mal. Mais dans tous les films de western, c'est toujours, tu sais, le bandit là, il fait comme s'il est fort, mais à la fin, c'est le brave qui gagne. Django, toi, tu as choisi Django, hein, ta Côte d'Ivoire là. Malobaya, comme ça là. Ta tête, on dirait mon cousin là. Yeah. Je n'ai pas vu, il y a ceinture de Django dedans aussi. Hein. Ouh, regarde ceinture là. Regarde comment c'est posé, baya. Regarde ceinture là. Yeah. Maman, où il y a pistolet. Il y a bien anti-fort. Hein. Regardez, il y a pistolet de Django ici aussi. Vous avez vu pistolet de Django là. Vous avez vu ceinture là. Voilà, Bilay. Lui là, il se croit au tête. Donc, quand il voit, il devient Texas. Hein. My God. Ouais. Il a t-shirt de shérif. Vous avez vu, il a t-shirt de shérif. Il y a des étoiles dessus. Abidjan, il fait chaud, on dirait. Ça, là, tu vas voir, il sent mauvais. Bah, il fait chaud, Abidjan. Soleil d'Abidjan, ça patra. Tiens. Dans soleil d'Abidjan qui patra, tout le monde, il y a des gens qui veulent se promener en short, en caleçon. Toi, tu as veste en cuir.
un sac en cuir, ceinture en cuir, ventre en cuir, tête en cuir. My God. Ça là, tu vas fouiller en bas là, il y a plein de gris-gris encore. Gros, bah, ça c'est un dozo, regarde, ça c'est un dozo ça. C'est un dozo, shérif. C'est un dozo. Non, lui là, c'est un dozo. Regarde, regarde, regarde. Django, my God. YouTube Banda, you are Django. Yeah. Mais il est fort, regarde, regarde, il a attaché pistolet là ici. Non, lui, là, il a bien regardé les films western. Hein. Il a attaché le pistolet, il a su sa cuisse comme ça. My God. Wow. You too fort. What too fort. Il est fort là. T'es? Non, t'es puissant, Django. Voilà lui là qui raquette les gendarmes d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Il se promène. Bon, maintenant, ma question que je vais poser. Comme c'est l'ami de M. Apollo, qui est commandant supérieur de la gendarmerie. Apollo, est-ce que c'est ton business que tu fais qui est là? Tu envoies ton ami racketter les gendarmes pour que le soir vous partagez l'argent ou bien tu n'étais pas au courant? Parce que si tu n'étais pas au courant, nous on vient de te l'apprendre. Ton ami là, Django, qui porte ringues, tout ça en plein soleil, et puis il transpire dedans, ça sent mauvais, on vient de tuer Cabri là. Bon. Il raquette les gendarmes. Il raquette les gendarmes. C'est toi qui l'envoies pour faire ça. Il faut nous expliquer. J'aimerais qu'on fasse un rapport au chef de l'État, sauf s'il est au courant. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Armée, vos ministres là, ils sont trop beaucoup. Donc, je ne sais pas c'est qui s'occupe de ça. Il faut qu'un rapport soit fait pour qu'on sache s'ils sont au courant. Peut-être que vous êtes complices. Vous partagez l'argent. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais si toi, le commandant de la gendarmerie, le commandant supérieur de la gendarmerie, ton ami s'habille en Django, en Western, et puis il se promet pour racketter les gendarmes qui ont prêté serment. C'est que le pays est gâté. C'est que le pays est gâté. Ben, je suis sûr que tu peux être au courant, mais tu vas faire comme si tu n'es pas au courant. Parce que Abidjan est petit. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Django, il faut arrêter. Hein? Arrêtez vos bêtises. Moi, aujourd'hui, là, je ne veux pas parler beaucoup. Je voulais juste présenter ça à tout le monde. Voilà. Mais Côte d'Ivoire souffre. Hein? Côte d'Ivoire souffre. Vraiment, ce n'est pas possible. Django. Ma. Roulez pistolet, mettez dans le froco. Le voilà ici. Vous avez compris? Dans ses yeux. Vous emmerdez les gens. Oui. Si vous avez dit qui vous êtes, on va vous répondre. Mais vous emmerdez les gens. Voilà. Vous emmerdez. Voilà. Il a été racketté. Le voilà là-bas, Django. Avec sa 4x4. Dis mon nom, je m'appelle. Vous me rendez la gendarmerie. Voilà que vous êtes. Imbécile. Voilà ça va. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Voleur. Voleur, Django. Est-ce que tu t'attends? On t'attend, Django. Tu as croisé le mauvais pion aujourd'hui. Tu as croisé le mauvais pion, Django. Tu as croisé le mauvais pion. Oh, dis là, Django. Tu es escroqué, les gens, c'est pas moi. Django, tu es escroqué. Je peux parler à vous, vous voulez. Django, fais ce que tu veux, on s'en fout. De moi encore. Même 5 francs, vous n'aurez pas de même moi. Même 5 francs, tu ne donnes pas aujourd'hui, Django. Tu es un voleur, Django. Tu es un voleur. Ouais. Django, le racketteur. Et puis, dis pas son nom, hein. Il dit que ce n'est pas important de dire son nom. Oh. Ah, il ne veut pas commencer par dire son nom d'abord, il veut racketter. N'importe qui peut venir vous parler comme ça. Pourquoi? N'importe qui peut venir me parler comme ça. Moi, je dis ça. Vous avez compris? N'importe qui peut me parler comme ça. Vous avez compris? Voilà. N'importe qui peut me parler comme ça. Moi, je vous dis ça. Ouais. Vous pouvez envoyer la gendarmerie. N'importe qui peut venir. Je vous dis ça. Je n'ai pas dit que je mais moi, parce que n'importe qui peut venir me parler comme ça. Vous avez compris? C'est un gendarme. Il faut le respecter. C'est quoi? Est-ce que c'est toi qui l'envoies sur le terrain? Voleur. Voleur de Django. Monsieur, je vous demande à qui les bras droits de Django, voleurs, sont en train de mettre tête de mort. Voleur de Django. Django, voleur. Moi, si là, il y a un problème, je
Les autorités de Côte d'Ivoire, la plupart sont dans des trucs mafiosos. C'est des, ils font des trucs voleurs. On dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Vous raquettez tout le monde. Le pauvre gendarme qui travaille pour aller nourrir sa famille, vous venez le raqueter sur la rue. Pourquoi? C'est un, on est où là? Voleur. Django voleur. Django voleur. Voilà Django. Comment il s'appelle hein? Django, attends. Monsieur Gasso, en plus on dit que tu es conseiller d'Apollo, commandant supérieur de la gendarmerie. Donc Apollo est ton complice. Assane Ouattara, quand moi j'ai dit à Assane Dramane Ouattara que tout, la plupart de ceux qui sont autour de toi sont des voleurs, hein? Quand j'ai dit à Assane Dramane Ouattara que la plupart de ceux qui sont autour de toi sont des voleurs, sont des escrocs, c'est des mange-mille. Ils sont venus pour manger, pour voler. C'est des gens qui ont faim. C'est pas parce qu'ils aiment le pays. Ils ne vont pas t'aider à la salle. Si tu comptes sur quelqu'un dans le pays, là, ceux qui sont autour de toi pour t'aider, là, ils ne sont pas là pour t'aider. Hein. Eux, ils sont là pour manger. Le jour que c'est gâté pour toi, ils vont frayer. Ils vont chercher où ils vont manger encore. Ils ne sont pas là pour le payer. Peut-être même que tu as beaucoup de problèmes à cause de ces gens-là même. Comment quelqu'un peut se lever, porter des habits de western, je ne sais pas quoi, se promener et puis racketter des gendarmes sur la route parce qu'il est camarade du commandant supérieur de la gendarmerie. Et ça, c'est encore de voir que ça se passe. Bon, je n'avais pas prévu de faire direct. Je voulais juste présenter ça pour que ça sorte de mon dossier. J'ai d'autres dossiers plus lourds. J'ai des dossiers qui sont là, qui sont très lourds pour, des, pour aider des gens. Pour... Donc ça là, c'est un petit dossier que je voulais présenter. Maintenant, Abidjanais, vous êtes au courant. Vous êtes au courant que le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Apollo, a un ami qui s'appelle Gasso, je ne sais pas quoi, qui se promène pour racketter les gendarmes. Donc maintenant, ça, c'est votre problème. Mais les gendarmes, si vous aussi vous êtes là, vous, vous voulez vous faire racketter, vous êtes devenus des coxers, des chauffeurs de bara, vous êtes devenus des chauffeurs de waro waro, et puis on peut vous racketter sur la route comme ça, n'importe qui vient vous racketter, ça, c'est votre problème. Voilà. Donc moi, j'en ai fini. Je retourne sur l'histoire de ma page. Ceux qui n'ont pas suivi le direct au début, allez-y de l'autre côté, au début du direct pour voir. Je vous ai dit que ma page, l'autre page a été, comme on appelle, piratée. C'est de ça que j'étais venu parler. Allez, au revoir. Voilà. Et puis, dites à ceux qui insultent, qui mettent les commentaires, qui sont vus ignorés, que comme ils ne sont pas importants, on ne leur répond plus sur nos directs. Ils n'ont pas d'importance. Donc, leurs commentaires passent comme ça, ça passe comme ça. C'est comme il y a mouche. Et puis tu fais ça, c'est vu ignoré, ils ne sont pas importants. S'ils attendent quelqu'un pour leur répondre, en tout cas, dites-leur que Atia Noma n'a pas leur temps. C'est moi qui suis important pour eux, je suis leur chef. Donc ils viennent s'asseoir pour m'écouter et puis ils se démangent un peu le doigt avec leurs commentaires. Mais c'est vu et ignoré, ils n'ont pas de réponse. Voilà, parce que si tu leur, je leur réponds, ils se sentiront très 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 importants. Or, ils ne sont pas importants, ce sont des merdes. Voilà. Que Dieu vous bénisse.